Bonjour à vous toutes et à vous tous. Nous sommes le dimanche 27 février 2022. Donc du coup, nous allons regarder un petit peu. Hein, j'ai baptisé et je vais baptiser cette vidéo France 2022. Donc on va aborder plusieurs sujets. D'abord de manière générale, on va regarder sur les semaines qui viennent, un petit peu les jours, les semaines, un petit peu l'émulation et la tendance pour le pays. On va regarder si on arrive en fait à déceler quelques événements importants. Évidemment, comme je vous le disais sur la précédente vidéo, sur le conflit, nous allons subir et nous allons inévitablement, à certains niveaux, voir les effets de ce conflit russo-ukrainien sur le pays France. Inévitablement, en termes de conséquences. Donc on va voir en fait la valeur de ces conséquences, la hauteur de ces conséquences, et regarder de manière générale, un petit peu, on va essayer de déceler les informations. Donc je me concentre sur la France, et puis les semaines, les jours et les semaines qui viennent, et on va regarder un petit peu ce qu'il en est. Alors, on va couper. Bon, alors on commence déjà par la première carte. Nous sommes sur le handicap. On est sur une situation qui se bloque, assez difficile. Hein. C'est une carte de Mercure, malheureusement. C'est la lenteur, le temps, le handicap. Et on est, vous voyez, il y a dans notre émulation, il y a un arrêt. Il y a un arrêt, il y a un coup d'arrêt par rapport aux choses qui semblaient, je pense peut-être à, on va dire, à la pandémie, une résurgence, une sortie, ce genre de choses. Et on voit que pour Pays France, ici, pour le pays, il y a un arrêt par rapport à la période soleil qui s'annonçait. Donc on va voir de quel ordre, en fait, ces blocages, de quelle émulation exactement, de quelle énergie, en fait, il s'agit. Alors, on se concentre toujours. Donc on va faire une première ligne, on va regarder déjà ce que nous avons. Alors, on se lance. Donc là, vous voyez, on parle d'union, d'unicité, d'union, on parle de rapprochement. On va regarder, en fait, il y a quand même, sur, vous voyez, on a dans la population une espèce de nouvelle union qui se crée, quelque chose qui resserre un peu les liens. On a, vous voyez, c'est marrant, c'est très positif pour une fois. On a l'opportunité, à l'heure d'aujourd'hui, de resserrer nos liens, de revenir vers quelque chose de positif au sein du pays, au sein de la population. Est-ce que c'est l'une des conséquences, en fait, la crainte, en fait, qui nous pousserait justement à essayer de s'unir davantage? On va regarder. On a une période où, en fait, il y aura quand même une voix plus ou moins unique, hein, une voix un petit peu nationale, un esprit citoyen, quelque chose. On a la découverte, hein, vous voyez. On rentre dans une période qui semble positive par rapport à ça. Et bon, toujours cette femme qui est là. Et notamment, hop, on regarde, notamment, c'est, vous voyez, cette voix unique, elle est là, c'est pour faire face aux ennemis. Donc, en fait, j'en dirai pas plus, hein, je vous laisse réfléchir, mais on voit qu'effectivement, il y a une espèce d'unicité en France pour les jours ou les semaines qui viennent, en fait, face aux ennemis, face aux événements très, très complexes, en fait, qui sont là avec cette prison. Et on a cette espèce d'unicité qui revient, comme si, tout d'un coup, la politique, les politiciens allaient parler d'une même voix face aux événements. Donc, c'est assez étonnant. C'est très très positif. Donc on a la richesse de la situation, mais on va parler argent pour les semaines qui viennent, vous voyez les sorties là, et on va parler d'autres événements un petit peu plus complexes à droite et à gauche, donc on va recouvrir. Mais ça, c'est une bonne nouvelle. C'est voilà, je pense que le français risque de, par rapport à ce conflit, probablement, hein, je l'impute à ça, une espèce d'unicité, d'une voix un peu générale, en fait une majorité. Ça, c'est une bonne chose. Alors on continue. Alors le trafic, il s'agit quand même de tractation. Donc je pense que c'est peut-être, ah bon, il y a de la dissidence. Vous voyez, je pense qu'il y a un président, et là je pense qu'on va parler politique, ça doit être probablement symbolisé l'Europe ici. On a ce président, et autour de ce président, les deux cœurs, en fait, c'est la grande famille, hein. Je pense que on peut, la carte bleue ou l'ami devrait pas être loin. Je pense qu'on est sur une coalition, en fait, où les gens se tournent vers le président qui est ici, vers la tête couronnée pour le pays France, hein, parce que je travaille pour la France ici, et on voit qu'il y a une espèce de coalition. Donc là, il s'annonce des choses un petit peu plus sombres, mais dans l'instant, c'est plutôt sympathique, en fait.
Oh là là, et on voit que malheureusement, vous voyez, l'unicité est là, mais dans les faits, c'est autre chose, puisque, comme je vous disais, on va parler d'argent et on a la perte et la dégradation financière. Donc ça, on va subir probablement une inflation assez extraordinaire que je vous annonçais déjà en septembre 2021. Hein. Si vous regardez la vidéo, je vous annonçais cette grande inflation un peu hallucinante. Et là, on est dedans et on voit la dégradation sur le thème matériel et financiers en France qui arrive malheureusement, et on voit qu'au niveau du pouvoir en place, il va être difficile. On a quand même des propositions, hein. On a les présents, l'inattendu, des tractations, des propositions pour essayer de conserver cette sphère financière, probablement les augmentations et un manque. Hein. On me dit qu'il va manquer des choses en fait. Il y a des choses qui ne seront plus sur le sol français en termes de matériaux. Reste à voir ce que c'est, mais on voit qu'autour de cette unicité, malheureusement, ça va être difficile, hein, de lutter contre cette dégradation financière et ce côté qui est amorcé. Là, on a déjà trois rouges et on a les blocages. On va rentrer dans une période, en fait, probablement issue du conflit, entre autres, hein, mais on va rentrer dans une période où les choses vont devenir assez difficiles. Il y a une partie très unie, en fait, face à la présidence politique, et il y a une partie totalement en opposition qui sort ici. Donc, on va se retrouver, vous voyez, la famille, c'est la société, comme on parle en fait de tractation et de politique, c'est la société qui est là, et on voit le côté numéro 1, on peut le dire, et l'opposition côté numéro 2. On va regarder au milieu et on rentre effectivement. La France va être un petit peu dans une forme d'incertitude à beaucoup de niveaux. On a le bateau ivre en fait, hein, le bateau ivre qui nous indique que les convictions sont dures à obtenir. On va rester dans une forme d'incertitude. Probablement, vous voyez, ça touche ici l'aigle couronné, la présidence. On va regarder ici et on a la carte de l'ami, donc c'est bien la société en fait, hein, c'est bien l'environnement. Donc là, il faut s'attendre dans les semaines qui viennent, en fait, à une dégradation sur le pouvoir d'achat. Et avec une idée un petit peu étrange, vous voyez que le thème bancaire, vous voyez, on a la prison, l'argent, l'argent derrière la prison, que le thème bancaire est un petit peu, je sais pas, va nous faire un petit peu peur aussi. La bourse, probablement, mais ça va être un petit peu complexe. Et on voit ici, c'est vraiment scindé en deux, hein, la population dans l'incertitude, les pouvoirs politiques et la population ici, l'opposition qui se soulève, et on a trois roues dont les ennemis. Alors effectivement, ça, l'étranger ou ce qui symbolise le bateau, non, l'étranger probablement devrait sortir. Je ne le souhaite pas, j'ai une petite idée derrière la tête, on va regarder en fait. Alors, donc de toute façon, vous savez que depuis l'arrivée de la pandémie, on est toujours un petit peu dans des moments d'incertitude. Là, on y revient pour d'autres raisons, visiblement. Donc on va aller un petit peu plus loin. Alors on regarde ici. Donc vous voyez, on est sur le pays, hein, c'est les pénates, la tour, donc le pays, le président, et on voit qu'ici ça va être un petit peu complexe au niveau du pays, ça le confirme en fait. Il y a une forme de complexité qui intervient, et on voit que les pouvoirs en place ici vont entreprendre pas mal de choses face à l'ennemi. C'est une certitude, hein, on a la carte d'entreprendre l'entreprise, et on voit les oppositions par rapport aux décisions du gouvernement. Je pense que l'opposition vient de là. Pour l'instant, il y a un grand silence parce qu'on est tous dans la stupeur, mais visiblement, on voit qu'il y a une opposition, il y a le serpent, la méchanceté, les pourparlers dans ce qu'on entreprend. Alors, vous voyez, et on a beaucoup de déclarations qui vont être un petit peu étonnantes aussi, hein, au niveau de l'État. Au niveau de l'État, on voit l'homme couronné ici avec la parole, donc qui communique et qui annonce des choses qui ne sont pas très réjouissantes, notamment sur le thème de l'argent. Alors on va voir, pour avoir le thème de l'énergie, donc le gaz, l'électricité, il faudra la foudre, hein, dans les annonces pour symboliser en fait cette chose-là. Et en revanche, hop, on regarde, effectivement, l'Union européenne, je pense que c'est toujours, elle me revient en permanence, hein, la chef de la Commission européenne, hein, Ursula, elle est toujours là et on voit qu'elle annonce des choses assez incroyables en fait, hein. Elle annonce la privation, la perte, en fait, elle annonce des choses assez incroyables en fait, et qui sont relayés par l'homme couronné du pays. Donc on va aller un petit peu plus loin et on est vraiment sur l'État. Vous voyez,
On va avoir, c'est la renommée, hein, c'est l'État. Donc l'homme d'État ici nous fait des annonces et nous prévient quand même d'une dégradation financière un petit peu complexe sur les mois qui viennent. Et ici, ça m'inquiète un petit peu. On va aller un petit peu plus loin, ça m'inquiète un petit peu. Et on voit qu'effectivement, dans la population, il y a une forme d'isolement intellectuel, il y a une forme de repliement, de crainte en fait. Les gens vont éprouver le besoin de se mettre, comme l'idée de se mettre un petit peu plus à l'abri, parce qu'on a l'amitié, donc l'ami derrière les barreaux, de se mettre un petit, de mettre, vous voyez, un petit peu la vie en suspens. Ça correspond de voilà, il y a ces événements-là un peu lourds, un peu complexes, un peu très lourds même, et on a l'idée que la population va décider de se protéger un petit peu. Voilà. Donc effectivement, on a les ciseaux et on voit qu'au niveau de l'État, on va avoir des décisions qui vont être lourdes, qui seront prises, qui vont nous être annoncées, qui seront prises et qui vont être très très lourdes en fait à assumer pour le pays France. Il y a la stupeur, il y a l'inattendu, la stupeur, et ici cette idée peut-être de se mettre derrière les barreaux, de se protéger. On regarde ici. Donc on est sur des annonces en fait présidentielles tout à fait inédites, hein, concernant le pays, concernant l'argent. Hein, on a la ruine sur le thème de l'argent. On va voir si le départ est sorti. Ben voilà. Le départ est sorti ici. Donc on va lutter contre l'étranger, en fait, contre le serpent de l'étranger. Et on va. L'État, vous voyez, voilà, c'est ce qui m'inquiétait. Il est évident que la carte de l'étranger sorte là et on me dit que l'État va se positionner et prendre des mesures assez drastiques, assez lourdes contre le serpent de l'étranger qui sort ici. Et on est sur une émulation qui va être très très complexe. Donc le chat noir ou la maladie devrait sortir de ce côté-là, en termes, et des rouges évidemment, en termes de cartes. Mais c'est maintenant, vous voyez, dans cette émulation, c'est maintenant. Et en second temps, on a, premier temps, les annonces, l'Europe, l'Union qui va sortir là, l'Europe, et on va voir ces annonces en fait relayées par la présidence pour nous prévenir qu'il faudra malheureusement que nous rentrons dans une période de blocage, une période de dégradation qui est assez lourde ici. Et c'est tout à fait inédit, hein. On est face à une situation totalement incroyable et inédite. Alors, on va regarder s'il y a une forme de violence qui tombe ici, nous verrons bien. Alors. Donc vous voyez, les beaux jours, il y a quand même, je me raccroche à cette idée d'une unité qui se forme ici au sein de la population. Donc j'attends la carte bleue, on verra bien. Mais alors, donc on a une augmentation quand même, hein, c'est l'élévation là qui sort de manière, des mesures, voilà, on va dire des mesures qui vont être imposées au niveau du pays, en fait des conséquences et des mesures, elles sont en demi-teinte, c'est des mesures pour préserver ici visiblement le pouvoir d'achat, mais ça va être difficile de faire face et de préserver ce pouvoir d'achat, mais on a des annonces quand même, hein, l'homme couronné qui parle pour une forme de stabilité avec la pyramide, on va regarder, oh là oui. Effectivement. Donc les rapports avec l'étranger vont devenir d'une complexité extrême et malheureusement on rentre dans un cycle qui va être très très difficile. Et donc la carte du retard ou la corde en fait devrait sortir pour la longueur et on voit que le pays rentre face au serpent de l'étranger. On est sur une scission. On va décider de couper tout lien ou des rapports très très épisodiques, épistolaires. En fait, par rapport à ça, vous allez voir, et il y a quand même l'idée d'une nouvelle période, un nouveau cycle en fait, hein, qui se met en place. Alors, vous voyez. Le chat noir est là et on a ce président qui nous annonce de très mauvaises nouvelles ici sur les prochaines semaines. Le chat noir est une carte assez violente parce que bon, déjà elle s'appelle la trahison, donc on nous annonce la trahison probablement de l'extérieur venant de l'étranger. On a la perte ici, un événement important quand même et très lourd qui s'amorce. Donc il faut le savoir, donc comme vous savez je ne suis pas dans les licornes roses, hein. Donc il faut le savoir, on a l'Europe qui est ici, le président qui parle en fait et qui annonce le chat noir qui s'abat sur le pays et on est sur le conflit et on voit que par rapport au serpent, le serpent ou les serpents, puisque moi je pense que ça va provoquer en fait un effet en chaîne, hein, il y a autre chose derrière et on voit ici la naissance d'un conflit, d'une dualité, on a les ciseaux, c'est très complexe, c'est lourd, le chat noir, le feu, c'est très très lourd en fait. Alors là, vous voyez, on a cette, c'est très intéressant, on a cette femme, hein, Ursula, je pense, qui annonce
l'absence, la perte, la violence, en fait, et qui propose, en fait, qui essaye d'aller vers la paix. On est sur la carte de la paix, mais comme la paix est placée à côté du chat noir, le conflit risque de perdurer. S'il y a une trêve, une pause, elle sera de très courte durée, puisque la reprise sera toujours là, en fait, et on voit qu'effectivement, quand l'argent dégradé est couronné, ça nous annonce qu'effectivement, l'État, vous voyez, l'État va essayer de limiter ce qui se passe au niveau financier, au niveau économique en France, mais ça va être très très difficile. Ça va être très très difficile. On est dans la tension, dans le résultat. Et vous voyez, l'Union est sortie là, donc c'est vraiment l'Union européenne, en fait, hein, cette coalition. Et on va batailler pour essayer de réinstaurer quelque chose face au pays, mais c'est peine perdue. On regarde, oh là là, et la foudre est là. Donc les annonces, comme je vous disais, on a l'argent, la foudre pour les énergies, donc ça va être très complexe. Il faut vous attendre malheureusement à une augmentation, ça nous le savons, hein, sans faire de voyance que le gaz a augmenté. Mais c'est comme si, vous voyez, on a les ciseaux sur l'énergie, des coupures, peut-être des situations. Ah, je sais, on va avoir des problèmes au niveau communication, mais au niveau Internet, en fait, on va avoir des problèmes au niveau réseau. C'est voilà, c'est ça, on va avoir des problèmes, en fait, il y aura des coupures régulièrement, vous allez voir, sur les semaines qui viennent au niveau des réseaux sociaux, au niveau de Internet. On va couper, la parole est coupée, ça va être très très complexe. Et on y, voilà, ça c'est la Russie, malheureusement, regardez, c'est l'autre continent de l'étranger où se trouve le serpent. Donc en fait, ça va être très très dur face à cet homme. D'ailleurs, l'homme n'est pas sorti. On va voir s'il sort ici. Ça va être très très dur face à cet homme de le faire revenir vers une raison, malheureusement. Alors, on va regarder un petit peu plus loin. Alors, bon, ça s'annonce quand même très compliqué, hein. Vous voyez ces deux cartes-là, je ne vais pas les traduire, hein. Ça s'annonce très très compliqué face au conflit qui vient. Et puis bon, quand on met la grâce à côté du départ, on est sur le départ de l'autre côté. Donc ça s'annonce, vous voyez. On est là, l'homme, à chaque fois il sort, hein, le chat noir sur l'homme, ce chat noir, cet ennemi de l'étranger. Alors je ferai une consultation mercredi, que je publierai mercredi, pardon, sur cet homme, sur Vladimir Poutine, en fait, pour voir un petit peu pourquoi nous avons en permanence, en fait, le chat noir sur lui, une carte très noire, très violente. Alors on regarde ici. Alors, il y a une scission quand même. Vous voyez, je pense que dans le pays là-bas, les choses vont très très mal. On a ici une espèce de jeunesse qui rentre en conflit par rapport au chat noir également. Donc, en fait, ils vont pas rester inactifs. Alors, la maladie qui est là, c'est très mauvais. Je ne vais pas la traduire, c'est très mauvais. Donc, on va avoir, vous voyez, des nouvelles très noires de cet étranger sur le sol français prochainement. Des nouvelles sur les communications, en fait. Hein, on aura de la coupure Internet, c'est évident. La coupure dans la communication pour nous au sein du pays, mais on va couper, en fait, où ce pays va couper les liens de communication. Ça va être assez complexe de ce côté-là. Et on est sur deux cartes de stérilité à suivre, en fait. Et moi, je pense que, voilà. Comme pour les personnes qui ont eu l'honneur de me lire, en fait, sur le livre que j'avais écrit, je dirais que ça ressemble beaucoup au septième sceau, en fait, au septième sceau qui se brise, hein, cette idée de cycle, en fait, cette idée de choses incroyables, en fait, qui nous vient du serpent, comme ça, de l'étranger. Alors, on revient vers nous, on revient vers la France, donc on voit qu'effectivement, les annonces pour préserver l'unité est là, et pour préserver, ne serait-ce qu'au niveau des énergies, au niveau du capital, au niveau des dépenses, au niveau de l'inflation, beaucoup d'annonces, mais c'est de la demi-teinte et ça va être du prorata et difficile puisque quoi qu'il arrive, on a quand même la ruine sur l'argent, donc cette dégradation. On a quand même l'État qui essaye d'intervenir pour limiter la casse. Et très étonnamment ici, vous voyez, j'ai le sentiment qu'on aura des annonces sur les élections, comme si les élections, il se passait quelque chose autour de ça. On voit le président qui annonce quelque chose par rapport aux élections présidentielles qui s'approche, comme si on allait. Le changement n'est pas sorti. On va regarder. On va regarder si le changement tombe ici sur les 5 du milieu. Hop, là, évidemment, on va recouvrir.
Donc on a le changement, effectivement, c'est comme si, là d'une part on va regarder ça, c'est comme si vous voyez, c'est les urnes ici, hein, c'est se rendre à la table avec le papier, et comme si on avait des annonces un peu particulières et on allait décaler. L'idée de décaler, de retarder, de décaler en fait au niveau de ces annonces, apparemment, on parle beaucoup, hein, on va parler beaucoup de politique, ça c'est évident, là sur les semaines qui viennent, logique, hein, ce sont les présidentielles, mais là il y a cette chose en fait, on a trois rouges et on a la table, le papier, donc l'urne, et on se demande si par rapport en fait à la civilisation, à la société, on va pas décaler en fait, parce que ça paraît malvenu visiblement. Donc on regarde ça, et comme je vous disais sur l'idée de cycle ici, on a le destin, et effectivement c'est quelque chose qui semblait écrit dans l'évolution de notre civilisation européenne. Actuellement en fait, on a la roue du destin qui vient avec la fatalité, l'inéluctable qui vient nous poser les choses. C'était en cours, on a le passé ici avec la ruine, c'était quelque chose qui était déjà dans les boîtes, hein, voilà, et ce conflit-là n'est pas arrivé comme ça du coup d'un jour au lendemain, et on sait que malheureusement c'est quelque chose qui est acté. Alors on finit par une couronne parce que je crains fort malheureusement, on a une trois couronnes ici sur ce problème-là, et je crois, je crains malheureusement que cet homme arrive à ses fins, l'homme de l'étranger, ce serpent, ce chat noir arrive à ses fins en fait. Hein. On regarde et voilà, on me dit de vous dire que tout ce qui se joue ici, je vous montre. C'est la campagne santé, le printemps, tout ce qui se joue ici, là, c'est vraiment pour les semaines qui viennent, la saison du printemps qui naît, donc c'est vraiment sur cette directive en fait. J'ai le sentiment quand même, vous voyez, que on va aller de stupeur en stupeur, de semaine en stupeur, de stupeur en semaine. Il y a quand même l'idée de traité, de négociations, mais qui sont fragiles et qui n'aboutiront pas, ou quand elles aboutissent, elles sont transgressées en fait, parce qu'il y a un dessein qui impacte en fait la France ici, ça c'est évident. Alors je regarde ici, mais l'Union européenne, elle est dans une situation très complexe. On voit que l'Union européenne ici, dans une situation très très complexe et qui impacte la France également, enfin, le président français, c'est pas, c'est, voilà, le président français qui est là. Effectivement, ce qui m'inquiète un petit peu, c'est cette idée là dans la population de faire une pause, hein, comme si la population s'arrêtait. Vous voyez, en France, comme s'il y avait l'idée de se protéger, de s'arrêter. Ça, c'est un petit peu étonnant. Première fois que je vois que j'entends ce genre de message. C'est comme si la population allait s'abriter, se mettre à l'abri. C'est assez étonnant, en fait. Hein. On va regarder. Donc voilà pour la petite tendance. Hein. France 2022, mais là on me met la campagne santé qui pour moi représente la période printemps-été, donc les semaines effectivement qui viennent. Donc on touche du bois pour que ces choses ne se réalisent pas, donc on est très attentif à ce qu'il va se passer. En tout cas, merci beaucoup de m'écouter, c'est toujours un honneur pour moi de vous accueillir. Donc je vous souhaite une très très belle fin de soirée, puis je vous dis à mercredi du coup. Belle soirée à vous!